la famille, merci de vous abonner désormais à votre chaîne STV Congo News avec sa pluralité monitoring socio-politico-culturel, loisirs et sport. Banakin, banapoto, bana monde entier, quand le monde a vraiment il est temps. Papa Fatiga Bissolobi, prenez-vous en charge, il est temps de se prendre en charge dans les bisous, se prendre en charge papa en Cameroun. Désormais, retrouvez Jolicia Sampi, la poupée Barbie, na STV Congo News. Je vous aime beaucoup. Écoutez, le mot de circonstance prévu par la secrétaire générale en ce jour. Monsieur le président national, chers membres fondateurs, chers membres du secrétariat général, distingués invités et membres d'honneur, chers membres des associations et organisations affiliées, chers compatriotes de partis amis, chers camarades, distingués invités en vos titres et qualités, bonjour encore. Bonne année en plus. Avant toute chose, nos remerciements sont adressés, comme je le disais si bien, à l'éternel Dieu qui nous a permis de nous voir encore en l'an 2020. En ce jour où nous commémorons nos martyrs de l'indépendance, nous joignons également une pensée pieuse pour nos frères de l'Est, plus précisément ceux de Béni qui vivent des atrocités en ce moment. Pour ce faire, je demande à l'assistance de pouvoir observer une minute de silence quant à ceux. Je vous remercie. En effet, à cette occasion de change de vœux, nous ne pouvons laisser passer inaperçus les efforts, les sacrifices de ceux qui nous ont précédés dans la lutte du changement tant désiré que notre génération a eu la grâce d'inaugurer. Ainsi, pour paraphraser la pensée biblique qui dit « Un autre a semé, un autre a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. » Pour cette raison, nos voeux pour l'année 2020 sont que le changement soit pour chaque Congolais un état d'esprit, un nouvel esprit de fraternité et de solidarité, un nouvel esprit de travail dans l'unité. Quand nous parlons de la République démocratique du Congo, nous lançons le même message pour la dynamique Congo-Ini. Afin de soutenir des actions concrètes du chef de l'État, Son Excellence M. Félix-Antoine Tshilombo, avec tous les honneurs, je demande vos applaudissements pour ces vaillants messieurs. Nous n'oublions pas non plus de soutenir la vision de notre président national en la personne de M. Vidi et Chimanga Chipanda. Encore deux applaudissements très forts. Vous n'avez pas bien applaudi pour votre président national. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le président national, chers membres fondateurs, chers membres du secrétariat général, distingués invités et membres d'honneur, chers membres des associations et organisations affiliées, chers compatriotes, partis amis, chers camarades, distingués invités, en vos titres et qualités, la DCI au sein de laquelle nous assumons la fonction de secrétaire général entre dans sa cinquième année d'existence tête haute. Nous décrétons cette année d'une année de conquête,
de domination et de la relève de défis politiques. Applaudissons quand même pour l'ADC. Je vous remercie. En effet, l'année 2019 qui vient de s'achever a été pour nous le couronnement de la longue lutte d'accession au pouvoir, concrétisée d'une part par l'investiture du digne compagnon de lutte de l'opposition que la DCI continue de soutenir à la personne de son Excellence, Monsieur Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Et d'autre part, la prise d'exercice de fonctions publiques de certains membres de la DCI, notamment notre cher président national à ce jour conseil spécial en matière stratégique du chef de l'État. Certes, la page 2019 vient d'être tournée. Cependant, notre cahier de charge ainsi que notre feuille de route demeure notre focus, pour lequel nous ne ménagerons aucun effort jusqu'à l'atteinte des objectifs et de résultats nous assignés. Au regard de sa mission d'implantation, la DCI est à nos jours implantée tant au niveau national qu'international. Et dans le même ordre d'idée, le taux d'adhésion de ses membres a connu une croissance à 75%, dont les ONG et les associations. Applaudissez quand même pour la DCI. De ces faits, les organes et structures de la DCI ont été installés progressivement en vue d'assurer le bon fonctionnement de notre parti. S'agissant de l'implantation, jusqu'en 2019, la DCI est implantée au niveau national dans la province de Kinshasa, province de Lualaba, la province du Haut-Katanga, la province du Kwilu, la province de Kasaï-Oriental, la province du Nord-Kivu, la province de la Mongala, ainsi que la province du Congo central. N'est-ce pas que ce sont des exploits? Applaudissez pour la DCI. Au niveau de l'international ou de la diaspora, la DCI est implantée en Hollande, en Belgique, aux États-Unis, en Angola, en Allemagne, en Russie et en Grande-Bretagne. Je demande même aux diasporas qui sont ici sur place de s'élever pour mériter nos applaudissements. Je n'oublie pas au Maroc aussi. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci aux diasporas. Je vois les diasporas de Maroc aussi sont là. Bravo. Je disais, pour ce qui concerne les adhésions soulignées ici haut, les associations et ONG qui ont adhéré nombreuses, sont nombreuses, ainsi que les membres d'honneur, sympathisants et tant d'autres. Nous demandons aussi à nos membres d'honneur de s'élever pour mériter nos applaudissements pour leur contribution par rapport à la DCI. Merci aux membres d'honneur. Dans le souci de son bon fonctionnement, la Ligue a installé ses organes et structures, notamment les secrétariats généraux, la Ligue de femmes. Je demande encore à l'honneur de la secrétaire générale, à la grande femme de la Ligue nationale de la femme, de nous approcher, qu'elle mérite nos applaudissements. Nationale, maman nationale. Merci, maman nationale. On doit te connaître.
maman nationale de la Ligue nationale de femmes. Une femme très brave. Je vous remercie. Je disais la Ligue de femmes, nous avons aussi installé la Ligue de jeunes. Le président national de la Ligue de jeunes va encore nous faire honneur de se présenter devant cette assemblée pour mériter les applaudissements. La marche, comment je dis ? Je continue par rapport à l'installation. Je n'oublie pas une grande dame qui nous a accueillis ici au Mont-Amba, Madame Anto Kabedi, grande dame de la Fédération Ligue de Femmes Mont-Amba. Elle mérite nos applaudissements pour nous avoir accueillis. Vraiment, sa vie, c'est là. Elle qui représente la Ligue provinciale de femmes. Elle est adjointe à Maman Maggie qui est absente. Elle mérite nos applaudissements. Maman Zalakan. Je disais, c'était dans le souci de son bon fonctionnement. Parmi les actions phares de la ville province de Kinshasa, nous notons la tournée de la secrétaire générale et de l'interfédérale ville-province de Kinshasa, messieurs Massamba, ils méritent tous vos honneurs et vos applaudissements. Nous parlerons aussi de la sortie officielle de la Ligue de femmes. Nous parlerons de la marche de soutien au président de la République organisée par la Ligue de jeunes. Depuis la prise d'exercice de nos fonctions en mai 2019, c'est ici l'économie et le grand ligne de l'actif du bilan de l'année 2019, dont les passifs émaillés de reports et annulations de plusieurs autres activités. Situation par plus d'un camarade et dont l'autorité morale et la hiérarchie avions pris l'engagement d'y remédier. Raison pour laquelle votre secrétaire général, votre humble servante est devant vous parce que l'activité, cette fois-ci, n'a pas été annulée. Ça mérite les applaudissements pour la hiérarchie. Monsieur le Président national, chers membres fondateurs, chers membres du secrétariat général, distingués invités et membres d'honneur, chers membres des associations et organisations affiliées, chers compatriotes de partis amis, chers camarades, distingués invités en vos titres et qualités, nous ne saurons conclure notre adresse sans vous donner les grandes lignes de notre programme pour l'année 2020. Que nous décrétons une année de conquête, de domination et de la relève de défis politiques. En effet, comme déjà annoncé plus haut, nous ne ménagerons aucun effort, car quant à l'atteinte des objectifs et résultats nous assignés dans notre cahier de charges et notre feuille de route, notamment une tournée générale de redynamisation des différentes fédérations tant au niveau national que de la diaspora. En sus, nous encourageons tous les camarades qui ont de viser de participer à la gestion de la chose publique de s'activer afin de concourir aux élections municipales prévues au courant 2020. Nous vous encourageons également à une auto-prise en charge et à un changement de mentalité en commençant par l'aménagement de votre environnement, par la salubrité, car les changements ou les mbongwana est un état d'esprit. Enfin, gardons tous les caps pour les élections en 2023
dans l'optique d'un Congo uni, d'un Congo fort, d'un Congo puissant, Congo émergent, Congo prospère. J'aimerais pas déjà vous remercier sans glisser un mot en lingala aux cadres et militants de la DCI. DCI viva! DCI viva! Na lobali boy, na koko suki sa kolobate, soki na glisse moi et le côté, na lingala facile. Pour Mikolo, lingala facile de koma na top. Soto lobi lobi français, le roi de Braba à Kinshasa, il faut tout le bas moi lingala, tout limbo la peine à ba maman, na ba papa, na ba ndeko, et le konini o to lingi koloba. Tolobi boye. DCI aza parti oyo et koti na 5e année nango nangonga oyo to telemi na l'an 2020. DCI, c'est vrai, avant d'être travaillé ming en coulisses, na cadre et implantation d'abord ya parti na toute la République démocratique du Congo. Nangonga oyo tozo lo baboyi. DCI a réussi ko implanter parti na ye na ba province ebele. Alors, le quoi a DCI implanté déjà ba province ebele. Tozo continuer ko implanter. Tozo continuer ko recruter parce que eza musala o epesa meli biso po lobby toko ka ko participer na ba élection 2023. Mais avant l'élection 2023, to sengi na ba oyo bazan ba ambition na kati ya DCI ba travailler makasi. Pour priorité eza administration te, priorité eza bureau te. Pour un parti politique, priorité eza base. Et l'on a dit bosso eza nini base. Yango tozo senga na ba ambition nyonso ya DCI. O balingi lobby koza na ba liste électorale ba banda ko se préparer ba travailler na ba base ba recruter ba te belé au sein de la DCI pour lobby ponga mon amingi objectif 2023 na lingi lobby ndeto lingaka parti oyo DCI ezala parmi les grandes puissances la République démocratique du Congo à la hauteur de son président national Vidiye Chimanga Chipanda. Yango tolobi boy. 2023-2020, j'allais dire, eza année ya concrétisation pona DCI. Eza année au DCI, il faut à relever ba défi. To koti koti, to implanté, mais comme ingonga oyo, baksyon na biso, ya DCI et se rendre visible. Pourquoi? Pour 2023, to négocié tête basse, to négocié to talani nelongi, ndenge INC ezo négocié, ndenge IDPS eno négocié, to zalabana mawaso ki moke, te, to zalabato oyo. To ko zan ba député ebele. Pourquoi pas to le kabatu nyonso na ba député? Donc défi yango wana, DCI viva, DCI viva, je vous remercie. Qui n'est pas pareil à d'autres partis politiques. Parce que chez nous d'abord, il y a ce qu'on dit, on parle aussi de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire les jeunes entrepreneurs qui veulent investir, qui ont des idées pour les Congos, nous nous mettons ensemble pour que le Congo aille de l'avant. C'est ce qu'il faut, c'est la différence. Au niveau de la diaspora, il y a un problème. Parce que les élections passées, la diaspora n'a pas voté. Est-ce que la DCI va pouvoir initier quelque chose pour que les élections prochaines, que quand même la diaspora puisse voter et qu'au niveau de l'Allemagne, qu'elle puisse voter? Évidemment, dans ce sens-là que nous travaillons, en collaboration aussi avec le président de la République et les mandataires qui sont là maintenant pour que 2023 que nous soyons aussi parmi ceux qui vont voter parce qu'on est Congolais malgré nous vivons à l'extérieur du pays mais nous avons aussi ces droits hein, ces droits de vote donc
ce sont parmi aussi nos priorités et je crois que ça sera vraiment pris en considération que la diaspora aussi puisse voter. La DCI soutient le chef de l'État. Ouais. Au niveau de la demande, comment est-ce que vous vous organisez pour pouvoir faire la visibilité des actions du chef de l'État? Bien sûr, dans ce sens-là, l'investiture du président de la République, notre président Félix-Antoine Tshilombo, Félix, il était premièrement en Belgique. La DCU était présente, on est parti, on s'est mobilisé, nous avons montré notre confiance au président de la République parce que nous savons les capacités, que c'est un homme d'amour, il a vraiment besoin que le Congo puisse changer, il a besoin de ce changement. C'est pour cela d'abord, nous appuyons le président parce qu'il accentue le changement des mentalités, études. Tout ça, il y a une étude de milliers. De Monique, la Tchangou, Tchango, électricité, Tchango, lumière, Toko Tissangope, Tchango, santé. Naba, domaine Nyonso. Ouais, on est venu de loin, on est venu s'asseoir avec le CG pour la raconter pour la première fois. Eh ben, je suis nouveau adhéré à DCU, alors ce sont de bonnes impressions et qu'on va de l'avant, c'est ça que on nous a dit aussi aujourd'hui. Donc, de bonnes choses pour 2023, c'est ça. La DCI au niveau de Kinshasa, qu'est-ce que vous comptez de faire au niveau du Canada? Au niveau de Kinshasa, j'ai trouvé le parti déjà en bon état. Au niveau du Canada, c'est encore nouveau. Hein. Alors je dois aller, comme ils ont dit, les gens qui ne sont pas au courant de la DCI, les informer et qu'ils adhèrent aussi à la partie parce que c'est le changement qui vient. Ouais. Merci de vous abonner désormais à votre chaîne STV Congo News avec sa pluralité monitoring socio-politico-culturel, loisirs et sport. Banakin, banapoto, bana monde entier. Quand il est vraiment, il est temps. Papa Koufatika Bissolobi, prenez-vous en charge. Il est temps de se prendre en charge dans des bimbisomions. De se prendre en charge par rapport à Makamango. Désormais, retrouvez Jolicia Sampi, la poupée Barbie, na STV Congo News. Je vous aime beaucoup. Bisous.